C'est le grand moment, le début d'une nouvelle saison. On a remis les compteurs à zéro et tout le monde est prêt pour débuter ce championnat. Grégoire Margoton au commentaire avec sans doute l'anglais préféré des Français, Darren Tullet. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. J'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés. L'arbitre donne le coup d'envoi. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Madrid, qui pour le titre remporté, a rendu un hommage appuyé à son entraîneur récemment. C'est vrai, mais le plus dur commence maintenant. J'ai entendu parler les supporters. Ils rêvent désormais d'un doublé, voire un triplé. Mikel Sanjosé. Il glisse le ballon en profondeur. Il joue dans l'espace. Ça peut aller au bout. Modric. Pour trouver la faille dans la défense. Le long dégagement du gardien. Passe en retrait vers son défenseur, Raúl Garcia. La bonne diagonale. Mais il était bien présent. Ça joue à gauche. Dans le dos de la défense. James Rodriguez. C'est joué long, attention. Attention la frappe. Et ça rentre. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? Non mais qu'est-ce qu'ils font là? C'était le seul joueur à ne pas oublier dans la surface. Je sais pas moi, mais faites-vous des anti-sèches les gars. Madrid qui a donc ouvert le score. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Une très longue passe. Va-t-il en profiter? Oh, très bon ballon! La reprise! Bale qui a de l'espace. En retrait pour repartir proprement. Mouniaïn. Le ballon est sorti, touche. Il tente de la jouer dans l'espace. Et le gardien s'en saisit, tranquille. Et c'est la pause ici. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. Un seul petit but d'écart entre les deux. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Il relance côté droit. Mikel Sanjosé. Et ils essaient de repartir de derrière. En retrait vers son gardien. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. On voit beaucoup de jeux sur les ailes. Sans rire. Oui, mais il me chambre l'anglais. Mais j'ai raison ou pas? Oui, bien sûr. Mais c'est normal, quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe, sur les ailes, ils ont plus d'espace, plus de temps pour trouver la bonne solution. Voilà tout. C'est clair avec vous. Ouverture vers le poteau de corner. Bale, le centre. Et le danger va revenir, il fallait le mettre en tribune ce ballon. Pour trouver la faille dans la défense. Il poursuit son effort dans l'axe. Il cherche son coéquipier. Il est passé. Il écarte, il joue sur l'aile. Ouf, ce ballon qui sort. Ah, il va s'en vouloir. Il y avait un bon coup à jouer. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Et
Miquel San José qui choisit le côté gauche. Il joue dans l'espace. Il a du champ sur le côté. Il file au but. Il frappe. Et pourtant, c'était un caviar au départ. Quelle balle en profondeur. Super vista pour trouver son partenaire. Et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Le bon dribble. Allez, ça doit faire but. Il rejoue derrière lui. Quel timing dans l'interception. Torrejón, qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. Ouverture lumineuse. Une poignée de secondes, voilà ce qui les sépare de cette victoire. Il n'arrive pas à se rapprocher. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il choisit la profondeur. Bonne lecture de la trajectoire. L'arbitre siffle la fin du match. Voilà, le message est passé pour tous leurs adversaires. Ils semblent forts en ce début de saison. En tout cas, ils débutent par une belle victoire. Ça va les mettre en confiance pour le reste de la compétition. C'est une très belle entrée en matière. Voilà, Darren, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt. Salut.